like the girls with their nails done. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur Resident Evil 8. Alors on se retrouve pas forcément vraiment au bon endroit par rapport à la vidéo précédente, on était resté ici. Je me suis déplacé rapidement là, et je viens d'exploser avec une munition de lance-grenade, le blocus qu'il y avait avec les œufs de Moro. Donc je pense que c'était ça à faire, qu'il fallait revenir sur nos pas. Et peut-être répéter ça, je ne sais pas trop ce qu'il faut vraiment répéter, si je peux péter ça ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'on peut revenir et retourner dans son atelier. Je pense que c'est ça. Hein. Donc, ici, on a carrément traversé le mur. Il me reste une munition. Sinon je resave. Peut-être par là. Non. On peut fabriquer des munitions explosives. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on n'y a pas accès. Je vais retenter les munitions, mais je suis pas convaincu de la chose. Non. Parce qu'on nous dit d'aller dans la cabane au fond de la mine. On est dans la cabane au fond de la mine. Et je ne trouve pas les clés. Alors moi j'aurais été pas bête, j'aurais pris ce tabouret, ce truc là, et ouais. Donc c'est la télé qu'on entend. Franchement, pourquoi je m'amuserais à déplier tout ça si au final il n'y a rien? Ouais. Non, franchement, il y a quelque chose à faire. Je vois pas quoi en fait. C'est dommage. C'est dommage d'être bloqué tout le temps, quasiment à chaque épisode, parce que tu comprends pas quelque chose. Et qu'on te dit d'aller à un endroit, sauf que tu vas dans cet endroit et tu ne trouves rien. Ben, c'est débile. À aucun moment il y a un passage secret à la droite. À aucun moment il y a un passage à la droite. Là on était tout à l'heure, mais apparemment il reste des choses. D'accord, effectivement, je dis tirer dessus c'est trop facile, mais c'est ce qu'il fallait vraiment faire, espèce d'abruti. Ouais, je m'insulte moi-même là pour le coup. Ça me paraissait un petit peu trop évident que c'était vraiment ça. Ah oui, d'accord. Donc j'ai caché des lance-grenades pour rien. Oh la poisse. J'ai explosé la tête. J'ai explosé la teuté. Toi aussi. Boom, headshot. Non. Bonne personne là. Ça, ça récompense les munitions perdues. Très très sympa l'endroit.
Ah non, pas toi. Ça suffit, monsieur. Calmez-vous. Je sors l'artillerie lourde tout de suite. Voilà. Ça va. Coupé. Aïe! Il y a du monde ici. Aïe! Oh non! Au nom de... Non, non, non. Hop. Tiens, c'est cadeau. Ça mange pas de pain. Voilà, c'est le prix. J'ai fait une collate, hein. Je suis pas sûr, mais j'ai fait une collate. Oui, j'ai fait bien une collate. Hop. Petite collatérale. Double tête, à mon avis. J'ai dû mettre un truc sale. J'ai dû mettre du sale. Ok, ça, ça fait plaisir. Les soins. Par-dessus tout. Balle de pompe, oui. Pistolet. Et on fabrique tout ce qu'on peut, même si c'est pas vraiment la chose à faire. La clé du bateau, ça me semble tout à fait logique. Zone totalement rouge, hein. On pouvait se barricader, je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. On peut aller dans l'eau. Je pouvais casser la farine, mais c'est pas grave, j'ai pas fait la jouer là. En vrai de vrai, on aurait pu juste prendre les clés et se barrer. Ok, toute la zone est bleue. Et ben, on va pouvoir aller au petit bateau. Non, Google, tu arrêtes de dire ce que je dis. Oui, c'est par là. Incroyable, je pensais juste qu'on avait le petit moulin, et non, la zone est immense. Le jeu est incroyable. Malheureusement, je profite pas du son de l'audio 3D proposé par la console parce que je suis branché avec le casque de l'ordinateur. Donc j'ai du son un peu moins de calme. Je me suis fait peur tout seul, tout va bien. Il n'y a pas une save dans le coin. Si on a du moulin. Il y a clairement quelqu'un là-dedans. Oh, droit dans le dos, mais c'est insane! Toujours dans le dos! Il commence à devenir... pas embêtant, mais... Mais il bouffait quoi? Mange des pommes de terre, t'as raison. T'as raison, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on va dire que l'inventaire, à la limite, pas besoin d'être rangé avec tout ce qu'on a actuellement comme place. Mais ouais. Alors, clé du bateau, c'est parti. Je sens qu'on va se faire manger par le poisson. Le bon gros poisson. Moi, ce qui. Est-ce qu'on peut aller directement par là? Non, le lac artificiel, Zébardi. Ah, ici. Allez, c'est parti. Oula, oula, oula. Ok. Sympa l'endroit. En vrai, j'adorerais faire de l'urpex. C'était quoi? C'était le gros poisson. Et à un avis, quelque chose me dit qu'on va devoir passer par là avant de se faire croquer. Oh,
Là, on flippe pas parce qu'on sait à peu près ce qu'il y a. On nous dit qu'il y a un gros poisson dans le lac. Bon, bah, on se doute bien que qu'il va débarquer. C'est quoi tout ça? Un cormoran là-dedans. On oui, c'est un le poste de laboratoire. surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Arrêtez de vous battre. C'est dans le même camp. Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bête-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On s'est mangé par le poisson. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hé! Vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Barrez-vous. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de quoi? Pas le temps là! C'est trop tard! Miranda, prépare déjà la cérémonie! Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié! Dis-toi ça! C'est pas juste! Je devrais être avec elle, pas toi! Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Bon sang. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est lui qui se transforme. Ouais, on se doutait bien. Ok, réfléchissons. La zone est immense. Il n'y a rien à faire ici. Aïe! Et maintenant, je fais quoi? Gauche, droite. Moreau, la Moreau de clinique. Enfin, la clinique des Moreaux, hein. Et là? Il a dit que la sortie était sous l'eau. Alors, le code couleur. Attends, que je tourne pas le papier du mauvais sens. Y a-t-il un sens à tout ça? je ne sais pas. Je ne sais pas. Instruction pour l'utilisation des vannes. Lorsque de fortes pluies menacent la zone de pêche, il est conseillé d'évacuer le trop-plein d'en haut en suivant les étapes ci-dessous. Actionnez les moulins avant à l'aide d'une manivelle pour activer le courant dans le poste de garde. Tirez le levier pour ouvrir les vannes. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a le marchand qui est là-dedans. Tu me demandes, on se demande comment il est rentré, mais il est là.
il est là. On peut save, cool. Ok. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Tu commences... Qu'est-ce qui s'est rempli ? Là c'est bon, là c'est bon. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. Donc on a un crâne cristallisé qu'on peut vendre. Quelques bricoles. On a une bête cristallisée, donc on l'a tuée avant. Et ça, le collier est incomplet. Le bazar. Bon, on va prendre la loupe pour le sniper. Je vois que ça. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Cadence de tir, c'est quand même important. Capacité aussi. Voilà, ça fait un bon petit pistolet. Et après, vu qu'on a un pont plus puissant ici, mais je vois pas pourquoi on l'améliorait direct. Ok, il donne beaucoup plus, mais... J'ai que 4 balles de temps, quoi. Puis après, on passe à 6. Avec plaisir. On va prendre ce pompe-là, on va l'améliorer. Ça me semble pas mal. Et du coup, à la prochaine fois. Vu qu'en plus, je n'ai plus de balles de pompe. Ah si, elle vient de se mettre toute seule. Ok. 20 balles. Ok, on peut fabriquer des petites choses. Pas spécialement. On va resave. Du coup, ils nous ont dit d'aller vérifier là-haut pour faire rentrer de l'eau. Ah oui, il faut faire le tour, c'est vrai. Hop. Cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Il ne faudra pas que ça arrive parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. Ouais, il y a des moulins partout. C'est l'heure de la boucherie. D'accord, j'ai fait les 3 en 2 coups, on est pas mal. Hop, un petit cadeau. De la ferraille. Ok, c'est l'air de tout ce qu'on a ici. Ça marche. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va retomber à l'eau. Des sous, on va aller faire un tour dans le moulin. Ouais, je... Non, mais... Pourquoi pas. Voilà. Ok. Ouais, j'imagine que ça marche pas. Ouh, fallait être allé en bas avant de faire ça. Voilà. Putain, j'y crois pas. Forcément. Ce serait trop facile. Un gros poisson va sortir du moulin. Aïe. Oh, mais le level design est quand même relativement incroyable. Ah, on est de l'autre côté. Je vois où qu'on est. Pas rassurant. Je vois clairement pas ce qu'on est venu faire ici. C'est ça. Donc on va faire attention. Voilà. Thank you.
Ah, calme-toi, Moro. Ok, j'imagine qu'il faut retourner là-bas. Et tirer dans les planches qui sont... je ne sais pas trop où. Est-ce qu'on peut le brain ou pas? Ok, il est là. Ok. Ça c'est bon. Concentration. Donc la moisissure, hein. C'est bien les recettes qui... Enfin voilà, je pense peut-être que Mia est la moisissure ici. On va pas tarder à le savoir, j'imagine. Cartouche de fusil. Ok, j'ai cru voir un truc. Quoi, fallait que je saute d'ici? Non, je déconne. Ah non, mais les codes couleurs et tout. Hey. Oh, oh bah ça chlingue. Hey. Allez, hein. Ouais, je le sens pas. Non, c'est bon. C'est quoi ce bordel? Ok, j'ai compris. C'est pour ça que je me disais, ça se tendine un peu. Dépêche. Oh non, de Zeus. Il y a des manivelles partout. Magnum, d'accord, j'ai pas de magnum. Ici il y a quoi donc? Oh là là. Pas de stress, il y a point S. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est un détour. On va spammer. Ah non, pas tombé. Ok, je vois le délire. Non, je vois pas. Non, je suis mort. Non, pas baisser la difficulté, c'est nous. On recommence d'où? De là. Voilà, poisse. Ok, c'est pas grave. On sortira mieux. On sait maintenant qu'il peut pas nous atteindre. Donc. Voilà. Ça, c'est mon précieux. Ah oui, il y a des jaunes, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a toutes les couleurs pour faire un bon mélange. Ah, oh, c'est déjà actionné ici. Alors, si j'ai bien compris, donc le bleu, forcément pour le bleu. Là, la jaune, elle reste super longtemps, donc je dis que... Celle-là... Oui, il faut la jaune. Oh là là, c'est stressant, c'est hyper stressant cette partie, elle est relou. Eh non mais,
Le jeu, il me troll. Le jeu me troll. Ouais, bah oui. Le jeu me troll vénère. C'est dommage. En fait, il y a rien de compliqué, c'est juste que le jeu me troll. Et je sais les codes couleurs, hein, Donc je suis daltonien, mais on peut pas abuser, quoi. Après, je vais faire ça à chaque fois, la lourdeur. On va actionner celle-ci. On va actionner celle-là. On va actionner celle-là. Ok, on a passé. Le petit sauvegarde rapide, merci le jeu. Je vais voir si tu fais cette sauvegarde rapide. Ok, c'était tendu, là c'est stressant. Okay, il fait un deux coups. Je lui dis qu'on peut pas aller jusqu'au bout. Peut-être. J'ose pas y aller. Super, 10 sur 10. Allez le brain. Qu'est-ce que ça sert à quoi d'aller ici? Il y a sa mère qui vient à l'intérieur de lui, j'ai pas trop l'air de comprendre les choses bizarres qui sont en train de se faire. Là, y a rien à faire. Le level design des choses. Tout ça pour repousser ça. Non mais la dinguerie, c'est une dinguerie. La dinguerie. Oh non. Attends, mais j'ai des bons tuyaux. Techniquement, ça devrait. Oui. Attends, j'ai pas mal de balles de pistolet. Ok. C'est qu'on peut tirer au pistolet. Ah, une belle assiette qui n'est pas cassée. Incroyable. Bon, échelle. Je le sens mal avec la tour là. Le pêche, on dirait. Non, mais je veux dire, ça te sort. Dinguerie. Je crois qu'il faut aller là-bas, il faut faire le tour. Ok. Faut juste spammer. Ensuite. Où je me dépêche, hein, parce qu'il va tout détruire là. Enfin, je sais pas trop quelle est sa puissance de frappe. Attends, mais j'ai récupéré la manivelle qui va permettre de... Comme ça. Attends, pourquoi tu prends la manivelle si je peux pas, moi? Non mais enfin... Il y avait juste à l'enclencher direct, quoi. Le fait de la prendre pour la remettre... C'est illogique. Bon, il va casser, hein. Je sens qu'on va faire le plongeon en mode tout s'écroule à la mission impossible. Il faut les choses comme ça. Ouais, tyrolienne. Allez, Geronimo.
Il a pris la manivelle, j'espère. Oui. Ok, bon, ça va. Pas besoin de lui tirer dessus. J'imagine qu'on va devoir le faire au bout d'un moment. Ok. Donc là, normalement, voilà, on appuie juste pour que le moulin il tourne. Maintenant, on n'a plus qu'à ouvrir les vannes. Sans faire de jeu de vannes, quoi. Hein. Voilà. Bon, on est mort deux fois bêtement, mais le système était un peu tordu. Code couleur. Donc la feuille est posée comme ça. Donc rouge, 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 bleu, extrémité, gauche, droite, et un vert et un noir et deux blancs. Comment ça marche? Attends, parce que noir, blanc, donc là on a les bleus, blanc, blanc, comment je fais pour accéder au noir? Comment je peux prendre le noir pour faire du noir? Donc bleu, orange, ça fait blanc, bleu et bleu, ça fait orange. Ok, je vois. Putain, c'est quelle couleur? C'est vert, là. C'est... Ah non, c'est bleu. C'était un peu bizarre. Comment? Attends, ou c'est moi ou c'est le schéma qui est pas bon? Donc le noir, il est comme ça. Ah oui, l'antenne est dessinée sur le schéma, c'est moi, d'accord, le schéma est à l'envers. N'importe quoi. Donc rouge à l'opposé, bleu, 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 bleu. Okay. J'aurais dû prendre une photo avec mon téléphone, mais ce serait triché. Du coup, ça c'est bon. Ah, beaucoup plus qu'il attache. Bleu, bleu, bleu. Et blanc, blanc. Bleu, bleu. Bleu et blanc. Ok, au revoir. Super. Super, 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 super. Du coup, techniquement... Il pourra le suivre. En vrai, il avait pas l'air si méchant que ça, hein, pour rester. Parce qu'on voyait qu'il galérait, mais. Alors, 1er octobre, il fait beau. Miranda m'a apporté 5 villageois, comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquic et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans l'orbite. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican, alors je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes, plus fortes. Mais moi, j'en ai trouvé aucune. Il me faut plus de villageois. Alors, charge en grande capacité pour le 1911. On m'a mis des balles dedans. Lol. C'est pas grave. Alors, je peux descendre ici. Ensuite. Je peux aller là-bas. J'ai vu qu'il y avait un chemin
qui n'est pas un chemin. Ok, oula. Ouais, ouais, ça, ça rame. Hein. Ça ramouille, ça ramouille. Le jeu rame, hein, c'est pas... C'est hors de question que je tombe là-dedans, quoi. Ah d'accord, on m'a jeté. J'ai voulu attendre, non, on m'a foutu dedans. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire... tu vas prendre tarif. Prépare-toi. Je sais pas... quoi servent ces petits bocaux. J'ai envie de tester un truc, peut-être piton. Non, je pensais qu'on pouvait casser, mais à part faire des ondes de choc avec l'eau. Ah d'accord, on peut tourner maintenant. Ça me rappelle le monstre les gros vomitos dans les recettes là. Plus de balle hein, du coup. Oh, il y a un explosif ici, ok, on va la tirer là-bas. Pas mal. Vomito rapide. Frérot, d'accord. Ok, là les instants kill. Ah oui, il y a eu carrément un bug d'éclairage. Ok. Donc, apparemment, je pourrais peut-être me réfugier sur les terrasses quand il fait son truc. Ça marche. Allez, on retente. Quand il dit que je garde en réserve, faut que j'aille me couvrir. Il m'a touché. Légèrement, il m'a touché. Il y a rien ici. Ok, quand il fait ça, faut que je me mette à l'abri. De monter dans la hauteur. Surtout ça que je comprends. Est-ce que j'ai moyen de monter en hauteur? Ah, t'es là. Cacher ma balle pour rien. Je sais pas ce que je peux faire réellement. Planqué ou pas. Je
attendu, hein. Ouais, je m'embête. Tu commences à me taper sur le système. Donc je peux mettre à l'abri. D'accord. Elle nous a passé des mines, hein. D'accord. Et lui ici. Voilà. Ok, rush. Ouh, ça a dû faire mal. C'est mal, hein. Il pleut, bergère. Très très sympa, ce boss. J'aime bien. Effectivement, il faut comprendre. Ah, je saute sur la mine. Ah! Comme un poisson dans l'eau. Les yeux de Moreau. Il aura été dégueulasse. Jusqu'au bout. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bon, la sortie c'est par là. Mais avant, je vais faire un tour si on n'a pas oublié des choses. Et au moins, il nous a fait, on va dire, un peu le stock de munitions sans trop que ça soit un stock. Munitions, ouais. Ok.
Bah sympa. Sympa, sympa. Bon, on peut récupérer notre mine qu'on a laissée là. Voilà. Ici, il y avait rien. Là, on avait récupéré. Par contre, oui, c'est parti de la carte. Elle rame énormément. Donc, on a vu Chris qui était en train d'enquêter. La sortie est un peu plus loin. Par rapport à quelque chose. Et du coup, on va les save et puis on va s'arrêter là. À moins qu'il y ait encore quelque chose qui va se produire. Effectivement, ça n'a pas été de tout repos. Peut-être récupérer le fœtus qui est quelque part par là. Mia Miranda m'a donné un bocal de roses. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me laisserait de côté. Mais Donvar m'a dit qu'on devait être tous là pour que la cérémonie ait lieu et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en figer par contre. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, on va pouvoir récupérer sa vraie fille. Même si elle est morte depuis longtemps. Mais si elle y arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je suis pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je ne veux pas. Bah non, 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 qu'est-ce que c'est? Ce truc est vivant? Bah oui. La clé fœtus à 6 ailes. Voilà. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça, et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Quelque chose me dit qu'il est peut-être pas si dans le coup que ça, je ne sais pas. Y'a rien à récupérer ici. Du coup, on peut aller directement là-bas. Sans faire le tour. En vrai, on s'en est bien sorti. Donc là, ouais, c'est effectivement le labyrinthe. L'arme cachée de Moro. Il y a un magnum quelque part. Quelque chose me dit qu'on peut retourner dehors. Et à mon avis, j'ai loupé quelque chose. Et comment on est censé aller là? Ah oui, il y avait un passage par là. Je vois. Non, c'est plus haut. D'accord, c'est bon. On va aller save. Et ça sera bien. On a dit de retourner au cimetière. So good, tam tam, so good, ta 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 ta. Alors soit ça monte plus haut que tout à l'heure, soit il y a un problème. Ouais. Ouais. Et ouais, on va pouvoir sauvegarder. Et voilà, on va s'arrêter ici pour ce 11e épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.